Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Et Dangerous aux raisons, un épisode qui cette fois-ci, on l'espère, sera fructueux, chers amis, et pour le coup. Donc j'ai suivi l'un de vos conseils, donc un conseil de LG Bob, hein, que j'ai dans mes amis, qui m'a ajouté dans ses amis en tout cas, sur Et Dangerous, tout simplement. Il m'a conseillé le système Vendemo, exploité par Li Yongri, donc le chinois qui donne 20%, si je ne me trompe pas, de réduction sur tous les achats que vous faites dans l'équipement et dans le chantier naval, normalement. Et je reçois des messages de partout, c'est génial. Et donc du coup, il m'a conseillé ce système parce qu'en fait, il y a dedans donc, une grosse station. Et normalement, pas trop loin, j'ai pas vérifié. Hein. Je lui fais entièrement confiance. Pas trop loin, il est censé y avoir... Ah bon ? Il est censé y avoir normalement des... J'imagine que c'est autour des belles clusters. Des RES, donc des sites d'extraction de ressources, sur lesquels on peut faire quelques petits crédits normalement. Et donc c'est ce que nous allons aller faire. On aurait dû regarder, j'ai été stupide, s'il y avait des missions. C'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. Hop, on verra ça la prochaine fois. Donc moi j'irai arranger mon setup pour avoir un peu plus d'espace, mais c'est pas gagné. Dites-vous que ma tour est tellement imposante qu'elle est sur le bureau. Donc elle prend déjà une bonne part de la place. J'ai un clavier qui est assez large, qui coûte pas extrêmement cher, mais qui est très plastifié, on va dire. Ça coûte une trentaine d'euros à peine. Et qui a beaucoup de plastique tout autour, ce qui fait qu'il prend beaucoup de place. Le tapis de souris, il est plié de tous les sens parce que voilà, il est vieux. Le joystick, le volant, le pédalier, le levier de vitesse. Bref, c'est un véritable bordel. Et pas le bordel dans le sens où il y a des demoiselles qui... Ah si, bonjour mademoiselle, qui se balade. Donc les seins nus, c'est faux. Alors, quand on sera descendu en dessous des 1000, enfin des 1 SL, donc des 1000 SL, pardon, on devrait pouvoir voir s'il y a ou non des RES, et je pense que dans ce genre d'endroit, il y en aura. Vous verrez. Ça devrait se faire assez vite. Alors, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on a perdu beaucoup trop de crédit, on a un coût de rachat qui est de 7,2 millions, ce qui est beaucoup trop balèze, compte tenu du vaisseau qu'on a, on ne devrait pas mourir aussi souvent, c'est parce que je suis mauvais que ça se passe comme ça. On va essayer de refaire quelques crédits du coup. Hop. Où c'est que c'est donc? C'est par là. On va essayer de refaire quelques crédits, puis on verra bien ce que ça va donner. Du coup, directement, on va mettre... Hop. L'armement, on est en dessous des 1000 SL. Si, des certaines ressources dangereuses, bah voilà. On voit là un qui nous intéresse, chers amis. Bah, il est derrière nous. C'est incroyable. J'ai peut-être dû vérifier au moment où je sortais de la station, tout simplement. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Bah, c'est d'autant mieux si c'est juste à côté. D'autant mieux si c'est juste à côté. Ça me permettra en fait de faire des allers-retours plus rapides si j'en ai bien, on a besoin de recharger nos munitions. Si on survit assez longtemps pour recharger nos munitions. Bon. Ok. Génial. Hop. On baisse un petit peu notre vitesse histoire d'être dans la norme entre guillemets pour atteindre les anneaux de cette planète. Je pense que ça va se passer dans les anneaux.
en douceur. Dis donc, c'est très lumineux hein, comme anneau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, chers amis. C'est un spot? Est-ce que c'est un spot? Alors. Donc, ce qu'il faut espérer, normalement, il est assez fourni, d'après ce que m'a dit donc Bob LG. Donc, encore une fois, un grand merci à toi. Hein. N'hésitez pas à faire comme lui, à me donner des systèmes et des zones donc, qui vous plaisent, hein, simplement. Moi, j'irai voir, et puis si c'est intéressant, j'y resterai un petit peu. Attention. 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 Hop, là. Je m'en mets bien en face. Hop, voilà, J. Alors. En tout cas, il y a de l'astéroïde. Mais apparemment, il y a quelques personnes aussi au compteur. Enfin, au radar. Au capteur, si vous préférez. On va aller par là. Ben voilà, quelque chose d'intéressant. Pitblock, pardon. Excuse-moi. Rechercher, ça tombe bien. Scan detected. Vince Chan qui me scanne, le vilain. Ok, le python, il est scanné. Scan detected. Pim 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 pim. Pim. Ah bah d'accord, bah écoute, attaque-le si tu veux. Excusez-moi, j'avais pas vu que j'étais encore en pleine puissance dans les moteurs, c'était pas bon. Ce qui est gênant, c'est que d'autres personnes l'attaquent. Et bon, moi ça ne me dérange pas. Boum! Under attack. Target destroyed. Ok, c'est fait. Alors Vince Chan, là, tu m'as méchamment scanné, j'aime pas ça. Scan detected. Ah puis il recommence, j'ai l'impression. Ah non, c'est Tatum. C'est Shane Tatum qui me scanne. Quel dommage. Ok, parfait, t'es tout seul en plus, génial. C'est génial que c'est tout seul. Scan detected. Simon, mais dis donc, tout le monde me scanne, c'est la violence. Après, je continue, une chier de python. Peut-être pas m'arrêter sur. Casier vierge. Oh, dommage. Python. Par là, il y en a un autre. Ah, je suis hors de portée. Vraiment dommage. Ah, bah merde! Bah, si j'avais su, je serais resté sur mon copain là. Ok, on va partir par là. C'est pas grave. Ok, il est juste à côté en fait. Matt Bailey. 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 Ok, t'es tout seul. Bah écoute, c'est la fête. C'est toi qui a quoi là? Un pauvre python, bande de vilains. Boum. C'est ce que j'ai dit à ta maman hier soir, boum. Oh, bien joué l'esquive. Est-ce que ça fait mal? Oh, ces générateurs ont pris tellement cher. Ok, c'est fini pour le générateur. Ah, je crois qu'il a pas aimé ça. Il a pas aimé la dragée. Oh mince. Il a pas aimé la dragée. Bon, est-ce qu'on a... Ah, Tatum, Channing de son prénom. Oh, un eagle. Matt, t'as pris cher.
Un deuxième clipper impérial. Bah, écoutez. Ah, puis c'est lui qui me scanne en premier. Bah écoute, permets que je te scanne aussi à mon tour. Ah, ils sont deux. Non, je refais pas le coup. Non, c'est mort. Non, j'ai dit non. Même avec la Viper MK4, je vais pas tenter le coup. Non, non, j'ai déjà fait une fois, ça suffira. Merci. Une fois, mais pas deux. Hop. Oula, ça tire, ouais, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Il a un casier vierge, oui, effectivement. Bon, de toute façon, il prend tellement cher, le pauvre. Ils sont dans une escadrille à 3, donc ça vaut pas le coup. Donc lui, ils sont deux. Ah oui, c'était lui qui m'intéressait. Ah, ils sont deux aussi, c'est dommage. Mais non, je vais pas t'attaquer, t'inquiète pas. Il a un Viper MK4 avec lui aussi. Bon, si je continue à rester par là, je vais me prendre des balles perdues, moi ça va être violent. Un autre piton, tiens donc. Jim McFly. Alors, t'as les foies? T'as les foies, McFly? Scan detected. Ok, Tatum. Tatum, c'est pour toi. Shining de ton prénom. Où es-tu? Ok, tu l'as voulu. Tu l'as vu, bah tu la verras plus. Comme ils disent dans la chanson. Ok. Est-ce que ça fait mal? Voilà. Tu m'as scanné beaucoup trop de fois. Je pouvais pas te laisser continuer comme ça. Excuse-moi. Hein, mais... Alors, qui c'est de... Ah, Lars. Ah oui, mais Lars, t'es pas tout seul, toi. Lars, je te laisse me scanner, mais c'est... Franchement, je préférais ne pas avoir à te laisser me scanner. Hein. Rien. Peu. Comment qu'il me cause, en plus? Le sac. Ok. Ok, t'es recherché, c'est parfait. Exactement ce dont j'avais besoin. Alors, essaie de pas t'enfuir, en fait, s'il te plaît. Ce serait vraiment sympa de ta part. De toute façon, ils volent plus vite que moi. Ah. Ah, il a été pris en chasse, je crois. Oui, il a pris quelque chose en chasse. L'un dans l'autre. Ça reste bon pour moi. On va augmenter un petit peu la puissance dans les boosters. Histoire de... Allez, 4 km, c'est bon. Analyse. Il se fait violenter par l'escadrille de 3. Ok, merci. Bonjour. Ok. Il a des bons boucliers, le sac. Hein. Ah bah, puis j'arrive pas à le garder dans mon... Putain, raté. Ah, raté deux fois, je suis mauvais. Je suis vraiment mauvais, là. Ah! Oh! Quelle horreur. Ah, bah là, il a plus de... J'avais pas remarqué, mais il avait plus de générateur, en fait. Boum. Voilà, vengeance. Bon, 111 000 crédits, c'est pas mal. Il y a des mines partout, mais c'est pas grave non plus. On ne leur en veut pas. Est-ce qu'il y a d'autres vaisseaux, par contre, dans le coin? Parce que ça commence à... On est là pour se faire du crédit, chers amis. Merde. Alors, si... Il y a quoi d'autre? Un deuxième impérial, un troisième, un deuxième impérial, et c'est quoi le troisième? Je le vois là-bas. Si j'arrive à le scan. D'accord, ils ont trois impériaux, Imperial Eagle. Ça devrait pouvoir se faire. Voilà. On va les mettre dans l'ambiance. Et de 1.
Avant de me faire bourrer par l'autre qui est derrière moi, je vais bourrer celui-là. Ok. Et donc l'autre mot du gland qui m'attaque. Voilà. Mes tourelles, j'ai déjà bien enlevé ses boucliers. Oh là, t'en vas pas. Attends, j'arrive. Je vais te faire un bisou. Le bisou. C'est bon. Bonjour. Qui es-tu toi déjà? Le monsieur le piton là? Ah oui, c'est Jim. Jim McFly. Exact. Comment ça va, Jim? Fais pas de conneries, je te surveille. Justement, j'ai besoin de... J'ai besoin de crédit. Je dois renflouer mes caisses. Ah bah y'a plus grand chose par là. Hop. Alors, si y'a une chier de... Une chier de conteneur, mais à part ça... Oh, si c'est pas beau ça, chers amis. Bon, on va se rapprocher du centre. On est à 10 km, ça fait un peu loin. Hop. On a presque l'impression que le jeu est en low quality en fait, tellement il y a peu d'ombre. C'est vraiment très bizarre. C'est vraiment très 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 bizarre. ASP Explorer dans le coin. Sachant que j'ai vu des choses là-bas et que ça tiroille par là. La vache, il se fait poutrer par... Par quoi d'ailleurs? Ah oui. Oui, ils se sont attaqués un petit peu gros en fait. Par contre, oui, ils sont nombreux dans, dans l'escadrille. Scan detected. Oui, j'ai bien compris que vous étiez ensemble. N'inquiétez pas. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je ne vous attaquerai qu'au moment où vous serez les plus faibles. Bonjour. Ah non. Ah non, t'es quelqu'un de bien, toi. T'es tout seul. Attends, attends, je te scanne, mon pote. Merci bien. Oh bah je tire en même temps, c'est cool. Parce que je reste appuyé sur le bouton en fait et j'appuie sur... je change de truc. C'est ma faute. My bad, my bad. Ah mince, je suis pas en... Hop là. Et hop, plus de bouclier. Non. J'ai interdit de me faire le coup du cobra, le coup de l'anaconda pardon. Hop là. Hey, mes boucliers, mot du gland. Hop, tiens pour le coup. Est-ce que ça marche le fameux coup du tu te retournes plus facilement si tu mets ça? Oui et non. Flight assist on. Hop les. Mais non, je vais pas mourir. Hop les. Une petite cellule d'énergie pour remonter nos boucliers. Heatsink deployed. Target shields online. Target shields offline. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, hein. J'avais pas vu qu'ils étaient en ligne. Moi. Hop les. Bah alors mon pote, on prend cher. Hop les, viens. Hop les, l'explosion dans mon dos parce que c'est trop épique. Julie, Julie, pourquoi tu me... Non, Julie, je... J'ai pas l'habitude de m'attaquer aux filles. Je te le dis tout de suite, hein. Mais peut-être que pour toi, je vais faire une exception. Alors Julie, où es-tu? Dis-moi. Ah, te voilà. Heatsink deployed. Dis-moi que tu es toute seule, j'ai un doute, mais... Ah oui. Non, c'est pas la peine, là. Là, on va pas... J'imagine que le... Ah non, le piton n'est pas avec toi. Tiens donc.
Vincent, Vincent, oh puis... Oh, Vincent. Vincent, tu fais des bêtises. Scan detected. Je t'aurais scanné avant que tu me... Qu'est-ce qu'elle renferme, cette jolie soute? Rien du tout. Ah, c'est con. Ok. Tu permets que je vise tes générateurs, merci. Maintenant que je déploie mon armement... Désolé pour tes boucliers. Alors là, je me sens con d'être mis devant lui. Non, ça va. Bon, ces générateurs ont pris tellement cher en quelques secondes. Hop, ça c'est fait. Boum. Tu permets que je te bourre comme ça? En te faisant un gros bisou. Vengeance. La vengeance par le coup de boule. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Pas grand chose. Hop. Qu'est-ce qu'il y a par là? Un piton. Maha. Par contre, c'est un piton avec trois copines autour, j'ai l'impression. Enfin, deux copines autour. Gordon Pool. T'appelles Gordon, tu peux pas être méchant. Oh, t'es méchant! Oh, mais t'es con, Gordon! Pourquoi t'es passé du côté obscur, Gordon? Gordon, pourquoi? Ok, Gordon, tu vas payer. Tu m'as abandonné. Tu vas payer. Allez, vas-y, il va se tourner. Voilà. Boum. Oh, des paillettes, Gordon. Attends, je m'approche. Parce que si je te colle au cul, techniquement, j'aurais beaucoup plus de chances de te toucher. Bah alors, Gordon, tes paillettes, elles servent à quoi? Hop les, bah alors, Gordon, t'es encore loupé, là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas en forme. Hein. Target shields offline. Oh, encore des paillettes? Mais Gordon, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais que ça... Ah, j'allais dire que ça te servira à rien, mais... Écoute, jusque-là, c'était plutôt utile. Under hop là. Eh ben non, pas tant que ça, en fait. Par contre, les filles, ce serait bien de toucher les générateurs. Je parle à mes tourelles, hein, parce que bon, elles me le rendent bien. Ah, mais il commence à m'énerver avec ses paillettes, lui. Hein, Simone? Touché! Hop. Hop les, j'y crois pas. Bah oui, c'est difficile de m'aligner, hein. C'est pas si simple, hein. Ah, t'as boosté. J'ai entendu. Non? Ah, j'ai cru. Marrant, ça. Oh, il a recommencé. Touché. Arrête de m'envoyer des paillettes à la fesse, à la figure, pardon, à la fesse. Ça veut rien dire. Boum. Non, c'est faux, il a pas de bouclier. J'ai des bugs d'IA, chers amis, c'est vraiment chiant. Franchement, je comprends pas pourquoi il me dit qu'il a des boucliers alors qu'il en a pas. Non, franchement, je... Ah, rappelez. Bon, là, par contre, j'ai été mauvais. Hop. Vous savez quoi, on va même tenter autre chose, une autre manœuvre. Hop, les, voilà. Touché. Oh, bah, bête, c'est bête, hein. Oh, 200 000 en plus, mais c'est génial. C'est absolument génial. Un autre piton dans le coin, tiens donc. Est-ce qu'il est amical ou pas? Karl Greenalg. Ah, il est amical. Ah, mince. Alors là, je suis désolé. Par contre, je crois qu'il y a deux cobras qui se font... Ah non, ils sont derrière moi, c'est marrant. Attendez pas à ça.
Je m'attendais pas à ça. À toi dans ce rôle là plutôt, c'est plutôt... Tiens bah je les ai perdus. Cobra. Oh, c'est des mineurs. Des mineurs, non. Ils veulent jouer aux des mineurs. Non, c'était moisi, je suis désolé chers amis. C'était vraiment pas top. Ok, donc voilà la partie. On va en profiter le temps que ça... On arrive sur place. Pour remonter un petit peu nos boucliers. Là, on a quelques crédits quand même. Hein. Mais c'est pas suffisant. Alors, apparemment, il y a des choses dans le coin. Il est encore là, lui. Ah, bah merde, je les ai perdus de vue. Bon, bah tant pis. Alors, Dan Griffin. D'accord, c'est celui qui vole avec lui. Et donc, toi, t'es un... Et pas MK4. Je le sens mal ce coup-là. Donc je vais pas le tenter. Parce que je le sens vraiment pas. Alors est-ce qu'il y a autre chose dans le coin? Ah, il y a des choses par là, mais je crois que ce sont des mineurs surtout. Alors. Ouais, je vois un mineur là-bas, il doit sûrement y avoir des. Oh, oh, oh le caillou, oh le caillou. Ah, oh, on l'a raté, dommage. Ah, une nouvelle cible. Un clipper. Pourquoi tu te caches derrière le... Indiana Boyd? Ok. C'est bon. Hop, une fois qu'il m'aura scanné, hein, ce sera bon. Et non, pas de cargaison. Merde, je suis mauvais là. Hop les, voilà. Deuxième. En veux-tu une troisième? Et voici le troisième pruneau. Ah mince. J'ai plus assez d'énergie. Ah bah oui, j'ai pas mis dans l'armement, je suis con. Et voilà, le troisième pruneau. Ah bon? J'ai trop tiré avec l'accélérateur à placement en fait. Alors, viens par là, viens voir papa. Hé, hey, t'enfuis pas. Je ne te veux que du mal. Hop les, bouffe. Non, me booste pas dans les fesses. In the face. Ok. Il me fait chier, il va rechoper ses boucliers juste avant que je le... Ouais. Vous me direz, ça aura pas duré très longtemps, mais il les aura rechopés quand même. Target shields offline. Hop les, boum. Ça c'est beau. Wouhou. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin du coup? Pas grand chose, génial. Qu'est-ce que c'est? Un cobra. Une chier de... De composants. Notre vaisseau, tiens il y a un truc là, un bout de vaisseau aussi. Sûrement un de ceux que j'ai, un de celui que je viens de buter d'ailleurs, parce que vu la couleur, ah oui c'est bien lui hein. Je le reconnais bien. Boum. Je peux pas récupérer le morceau? Ce serait génial de pouvoir récupérer un morceau et le revendre en tant que ferraille. Ferraillé en plus en même temps, ce serait carrément cool.
Un astéroïde! Eh ben non. Vous y avez tous cru. Ok. Alors. Ça va sûrement faire partie des cobras qui sont gentils. Voilà. Rawls. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Bon, 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 c'est rempli, mais pas tant que ça. Hein. Faut pas exagérer non plus, quoi. Salut les mecs. Et en plus, ils volent en escadrille. Oh! Oh, puis il est tout seul! C'est la fête! C'est la fête du slip! C'est parti! Ok! Ah, il a dû se faire attaquer parce qu'il a quand même envoyé les... les paillettes. Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il fait? Et il est badass, hein. Parce que quand je vois ce que je suis censé lui mettre dans le nez... On commence pas! Il recommence, hein. Je déteste les anacondas pour ça, en tout cas les PNJ. Parce qu'ils ont aucun respect pour leur vaisseau. Hop, les plus de générateur. C'est bête, hein. Elle explose pour moi. Merci. Target destroyed. Ok. On est à combien de crédits là? Ça commence à monter, non? On est pratiquement. On est à plus d'un million là. Ouais, on est à plus d'un million. Génial. Oh, c'est un, c'est pas extrêmement rentabilisant, mais en tout cas c'est fun. Moi je m'éclate. 23% d'experts, c'est cool. Ah, ça me fait penser, il faut que j'aille revendre mes pages d'exploration. Un Diamondback Explorer. Où est-il? Par ici. Ah bah il est parti. Non? Alors voilà. Est-ce que t'es un gentil ou est-ce que t'es un méchant? Je pense que t'es un méchant. Ah non, c'est un gentil. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça tiroille là-bas. J'allais voir ça, je suis intéressé. Ça tiroille même violemment. C'est génial. Laissez-moi participer à la fête. Comme dirait Tony Stark, je livre la fête à domicile. Bah oui. Oh, il y en a un qui a perdu son bouclier. De ce que j'en ai vu, il y en a un qui a perdu son bouclier. Et puis ils sont pas devant ceux-là, dommage. Est-ce que je peux venir vous voir? Oh la vache, le gros coup de burst qu'il lui met dans le nez. Oh. Bah putain, s'il a encore du bouclier avec ça. Bah non, il en avait plus celui-là, je crois. Scan detected. Imperial Eagle versus. Laisse-moi! Laisse-moi t'attaquer, on va dire. Laisse-moi aller jusqu'au bout du rêve. Ah, ça va être à côté, ça, oui. Bon. Occupons-nous de ce troufion. Non, non, pas besoin. T'embête pas avec ça. On va essayer de protéger le T9. Oh, bien joué.
j'étais trop bourrin sur l'accélérateur, on peut dire. Et si. Bon, ça va l'ami? Ah non, il y en a encore un sous le nez. Hein. Federal Gunship. Ah oui, c'est un peu plus balèze. Là, tu permets, je vais le scanner celui-là parce que... Ah, puis il est pas tout seul. J'aimerais savoir où est son copain. Et qu'est-ce que c'est que son copain? Si c'est trop gros pour moi, ce serait vraiment dommage. Cobra MK3. Si c'est ça son copain, je suis preneur. C'est ça. Allez. Il est loin. Scan detected. Ah mais il me scanne. Raté. J'aurais aimé la voir. Hop les, boum. Eh, je sais bien que tu vas pas tenir le coup. C'est pour ça que je voudrais te buter rapidement. Parfait, et ton pote maintenant. Hop. Ok, on va récupérer du bouclier vite. Hop. Ok. Ok. Il est plus maniable que moi, c'est certain. Hop. Voilà. Putain, il l'esquive. Bien joué. Touché. Touché. Ma dernière, je suis pas tout à fait sûr que ce soit ma dernière erreur. Ah, c'est trop rapide. J'aurais dû prendre mon temps. Voilà, t'as plus de réacteur. Je pense que je peux te dire au revoir. Putain, il est solide, hein. Ah, ça y est. Bah alors? Bah alors? Y'a du talent ou y'en a pas? Ok. Ça nous fait quelques crédits toujours supplémentaires. Mais bon, faudra qu'on aille les chercher, ça va être casse-couille. Penengua. Pauvre garçon. Enfin bon. Ça fait du bien par où ça passe. Alors, sur notre gauche, il y a quelque chose. Un piton. TG Cavana. Il a un casier vierge. Tu es chanceux, mon ami, tu es chanceux. Reste sur le, dans le bon côté de la loi. Hein. Toi, par contre, tu seras sans doute malchanceux. Ah, pourquoi hors de portée? Ah d'accord. Parce qu'il est sorti de mon. Il est sorti du cadre en fait de. Et c'est quoi le truc qui vise? Le piton, d'accord.
Ok. Bonjour. On ne s'attaque pas aux gens innocents. Ou aux innocents tout simplement. Touché. Est-ce que ça fait mal? Target shields offline. Alors, où es-tu? Ouais, j'étais un petit peu trop sur le côté pour pouvoir toucher. Ah! Oula, pardon, excuse-toi. Excuse-toi. Putain, 140 000 le machin? Oh la gueule! 140 000 le vulture, pourquoi pas? Bon! Bon, 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 et donc j'imagine que la station est juste à côté en plus, ce qui est génial. Non, la station n'est pas juste à côté, mais presque. 2,78 SL. Je vais pas m'en plaindre, elle est juste à côté en fait. Elle est littéralement juste à côté. Bon, on va essayer de passer de l'autre côté du. D'astéroïdes. Ah non, même pas. Alors il va falloir qu'on fasse très très attention à pas re-rentrer dans le champ d'astéroïdes au moment où on en sortira. 4, 3, 2, 1, engage. Pow! Alors, on va laisser quelques secondes de boost, voilà, ça devrait être bon. Voilà, hop. Histoire de pas retourner vraiment dans le champ d'astéroïdes, c'est vraiment casse-couille, comme on dit. Alors, donc là, on a à peu près 1 million et quelques de crédits. C'est pas extrêmement, extrêmement rentable ce qu'on a fait là, hein. Je dois l'admettre. 1 million, 1 million 2, à peu près 1 million 4. Bon, c'est pas moche, 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 hein, mais... C'est vrai que je m'attendais un peu plus rentable. Faudra voir absolument dans les prochaines... dans le prochain épisode, s'il y aura donc des missions qui auront un rapport avec ce... avec des pirates, justement. Et aller buter ces pirates, donc, dans le ring, dans le RES, dans les anneaux de cette planète. Alors... Alors. En tout cas, c'est sympa. C'est vraiment sympa. 25%, génial. En douceur. Tout ça se passe extrêmement bien. Par contre, je vous rappelle qu'on doit se garer à la main maintenant. Hein. Ce qui... Bah écoutez, ne me déplaît pas tant que ça, tant qu'on arrive voilà, dans le bon sens. En fait, c'est vraiment ça le véritable problème de jeu, c'est que parfois, t'arrives de l'autre côté de la station. Alors. Docking request granted. Bienvenue, comment on demande d'appontage accordé. Merci. Hop. Je baisse mon alimentation des moteurs, j'augmente les boucliers. Montre que je suis une personne raisonnable. Non, même pas. On peut se mettre en mode défaut. Ça va être suffisant. Ok. Une fois qu'on va être rentré, je vais pouvoir couper la lumière. Hop, voilà. Fin d'atterrissage 23, elle est là-bas. On sort le train d'atterrissage. Hop. Landing gear deployed. En douceur. Ah, je pensais que c'était bon. Hop, et voilà. On entre dans le hangar, service de spatioport, et on va aller faire 2-3 petites choses, chers amis. Déjà, on va recharger en munitions. Hop, et faire le plein. Parce que t'as quand même coûté 12 000 de munitions, hein.
on va aller voir notre argent, récupérer notre argent. Donc on a 1,2 million, hein. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il nous reste à récupérer? Une prime chez l'Alliance et la prime chez l'Empire, forcément. Ça me semble logique. Marché noir, nous n'avons actuellement rien du tout. Au niveau du marché, on n'a rien du tout. Par contre, au niveau de la cartographie, voilà, on a une page à 63 000. Ce qui nous laisse à 55%, tant qu'on n'aura pas normalement redécollé, il me semble. Bon, en soi, ce n'est pas extrêmement important. De ce côté-là, on n'a rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Checklist au décollage, ça pourrait être sympa la prochaine fois. Ok. Ok, ok. Bon. Et juste pour voir, au niveau des missions, on va aller voir quand même, jeter un œil simplement. Hein. Pourquoi je veux mettre un petit dav devant? Je sais pas du tout. C'est le café, ça m'excite. Ok. Jusque-là, je ne vois pas de mission. À part des missions de transport, hein, mais c'est pas rentable. Hein. De minage, c'est intéressant. Là on va donner un petit peu de crédit. Ça ne coûte rien d'être copain avec la station, c'est plutôt toujours une bonne chose. Réputation alliée. Vous voyez, on n'a pas des masses de missions de pirates. Écoutez, on verra ça dans le prochain épisode. Eh bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom dans votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis actuellement en excès de vitesse à 0. Ça clignote. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'aventure et content d'avoir fait une vidéo où je ne meurs pas à la fin. Salut les gens.